D'accord, ça vous pas numéro 3 d'Alcala et puis numéro 1 c'est d'avoir alerté l'extérieur numéro 7 puisque se rapproche avec la grande favorite de l'Iparlor et Bestofran qui vient à son extérieur de choix. Et pour l'instant à la corde, petit corps se rapproche également le numéro 5 de Force of Darkness à l'arrière-terre, le numéro 2 c'est Panira, alors que l'on retrouve pour l'instant en position d'attente le numéro 8 up et le 12 petite noblesse. C'est Kiss le 7 qui est maintenant en tête avec Sagawara côté corde, avec à l'extérieur le lièvre Bestofran qui commence à se rapprocher mais ne prend pas le meilleur, la grande favorite Beauty Parlor numéro 9 fait tout près, Kazakh gros bleu du top que bleu clair. Ensuite la Kazakh grise du 4 en joie est avec à son intérieur Forces of Darkness, avec à son extérieur Dalkala qui est au sein du peloton, un peu plus loin Vienne, notamment Petite Noblesse, avec également Léoparty, avec le côté corps en queue de ce peloton, la Kazakh violette top blanche du 8, hop, mais elle reste très groupée pour bientôt passer devant les grandes écuries. Avec toujours Kiss qui a l'avantage, le Best of All qui met la pression à son extérieur à demi-longueur. Beauty Parlor est en troisième position, qui a la bonne course, Sagawara également qui est quatrième alors que Trois Lunes vient à l'extérieur maintenant devant Bijoua ainsi que Léoparty, Forces of Darkness qui vient encore notamment devant Valura qui passionne toujours à l'arrière-garde. On retrouve également Dalkala accompagné par Petite Noblesse. On retrouve également le numéro 8 Up qui pour l'instant est en position d'attente alors qu'elle passe devant le château, vient de voir sortir du tournant final. Avec le 7 Kiss qui est marqué par la grande favorite Beauty Parlor à sa hanche, à l'extérieur Trois Lunes top orange a progressé dans l'arrière Sagawara et là avec également le 14 Joie avec un peu plus loin à l'extérieur Dalkala qui est qui vient en pleine piste avec à son intérieur Valira et son écharpe blanche, avec également Sagawara au décor qui progresse devant nos forces de Darkness. Alors que la famille de Jérémy, on a fait un peu de l'extérieur, on est au parti par la ligne, on est au parti qui est le meilleur dans la montée. Alors que l'extérieur vient Valira et Dalkala avec Jérémy qui maintenant va tenter de repartir, mais Valira qui maintenant est en train de faire. Et gagne l'enjeu avec la magnifique victoire de Panira associée à